Faker. Non, on peut peut-être tester Faker. Ouais, on va faire ça. Moi, je parlais des boîtes, là. Je vais placer la caméra. Ouais, ben j'ai mis ça, c'est le max à gauche que je vois, ça c'est la chaîne. Je me suis arrangé dans ta caméra. Ok, parfait. Fait que... Maxi, je vais l'arranger jusqu'ici. Ok, fait que ça va être pas mal ça, puis je vais l'ajuster au fond. Une chance que la lumière, ça va. Une chance que la lumière sur la webcam. Oui, tu veux glisser, mais qu'est-ce qu'on fait? All right. Fait que quand tu veux. Ah, t'as pas une mini présentation? Non, okay. non, je suis vraiment bien. Tu veux t'asseoir? Oui, je vais t'asseoir. Non, mais c'est une question. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? La pizza est bonne? Ben, je vais commencer. Ben, bonjour tout le monde. Je me présente, Marc-Antoine Veilleux. Je travaille chez Coveo depuis, incluant les stages, bientôt 8 ans. Je suis directeur R&D. Je viens de Génie 55. Donc, faites-moi pas mal en disant que vous venez de Génie 65. Ça me fait très, très mal. Aujourd'hui, je viens vous présenter suite à... Il y a deux semaines, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, on a besoin d'une présentation. » Je fais « Oui! » Puis après ça, j'ai réalisé qu'il était technique. J'ai volé les slides d'un de mes coworkers, Andy Emo, je ne sais pas si vous connaissez. Où est-ce qu'on parle vraiment de la journée qu'on a eue par rapport à ce micro-service-là, mais c'est par rapport à tous les services chez Coveo en soi. Comment on a fait pour passer de 5000 requêtes à 50 millions de requêtes par jour? Donc, où est-ce qu'on commence? Bien, c'est un peu la ligne de vie d'un projet en général. Au début d'un projet, il n'y a rien de fait, tout est dans la tête des concepteurs, on essaie de faire des nouvelles choses, des choses vraiment intéressantes. Puis, à la fin de vie d'un projet, bien, on essaie de le rendre vers la mort tout doucement. Là. C'est jamais le fun. Typiquement, les projets sont à peu près là. Nous, le projet en soi qu'on va parler aujourd'hui, il est vraiment au début. T'sais, il est vraiment très, très au début. Là. C'est vraiment notre projet de machine learning. C'était des années 2016. Là. On commence et 4 ans. Ben oui, déjà 4 ans qu'on a mis ça en place. Donc, comment ça a commencé? Donc, vraiment, le projet entre le début et le début de la formation d'une équipe en soi. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut comprendre la genèse du projet. Vraiment, on va passer à travers la vie de ce projet-là, puis vraiment y aller jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, en fait. Donc, ce projet-là, il est né d'un hackathon. Donc, chez Coveo, à peu près à chaque quart, on essaie de faire un hackathon à travers toute la compagnie. Concrètement, vous avez 24 heures pour faire ce que vous voulez. T'sais, on vous donne carte blanche, mais vous devez présenter à la fin de ce 24 heures-là ce que vous avez fait, ce que vous avez mal fait, ce que vous avez bien fait, et tout. Donc, vraiment... ça, c'est un projet qui a commencé en 14, puis il a survécu. Puis, ce qui est vraiment le fun quand on commence avec un projet d'hackathon, c'est que ça répond à seulement et uniquement une chose.
est-ce qu'on est capable de faire marcher? Vraiment, il n'y a aucune once de gras dans ce projet-là qui sert à autre chose que répondre à la question « Est-ce que c'est possible de faire du ML? » Donc, concrètement, avant, chez Coveo, on se disait « Bon, hey, on est capable de faire des engins de recommandation, on est capable d'aller chercher du data, on est capable d'aller influencer le data en fonction des règles. » Bien, là, ça serait le fun de pouvoir connecter les interactions des clients, donc nos signaux de notre usage analytics, puis faire du ML. Donc, à la fin de ce hackathon-là, c'est juste ça qu'on a. On était capable de faire du ML dans notre pipeline. C'est pas optimisé, mais c'est possible. Donc, ça vient avec la deuxième question. On a réussi, c'est cool. Management capote, les clients, on ne sait pas encore ce qui se passe, mais on doit aussi répondre à la deuxième question, qui est deux questions complètement différentes, qui prend absolument pas le même nombre de temps. Donc, est-ce possible de faire du ML à grande échelle? C'est vraiment des solutions, des problèmes complètement différents qu'on a à tackler, qu'on a à résoudre. Donc, commençons vraiment avec la situation. Donc, comme je disais, on a un projet qui est capable de faire du machine learning. On commence à avoir une équipe. On a des clients. Il y a des clients qui sont intéressés par ça. Maintenant, on sait ça. Puis qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? T'sais, on a une affaire qui vit dans notre production un peu tout croche en hackathon. On n'a aucune idée comment ça fonctionne, mais on doit scaler. Donc, on se pose la question, comment on se résout? Comment on résout ce problème-là? On n'a absolument aucune visibilité sur ce projet-là en soi. Donc, première chose qu'on fait, bien, quand on fait des changements, pour pouvoir savoir si ces changements-là affectent positivement ou négativement notre application. C'est faire des choses en croyant que c'est une bonne chose, c'est bien, là, mais c'est pas mal mieux de savoir si on a fait quelque chose, si tout le travail qu'on a fait a servi à quelque chose. Donc, s'il est impossible de le mesurer, il est impossible de l'améliorer. Donc, c'est un peu ce qui a commencé cette journée-là. Il faut essayer de comprendre nos applications. Donc, on commence. Je vais passer à travers quelques métriques, là. En gros, pour des services, on a une architecture de microservices, puis typiquement, dans tous les microservices, on essaie d'avoir certaines métriques. Je passe quand même à travers, c'est relativement simple, mais c'est quand même intéressant à savoir. Donc, première métrique vraiment pertinente, c'est le temps de réponse. C'est cool le temps de réponse. Ce que je voudrais peut-être parler, c'est, disons, les différentes façons d'analyser le temps de réponse. Il y a le temps de réponse moyen. Ça, statistiquement, tout le monde aime ça, les temps de réponse moyens, mais il y a comme un désavantage, le temps moyen, parce qu'il englobe les informations très rapides et les informations très lentes. Donc, nous, ce n'est pas tant pertinent. Donc, pour ça. De là qu'on essaie de regarder plus le temps médian. Le temps médian, c'est plutôt ton load, disons le average user va être comme ça. C'est pas les pics de chacun des côtés. C'est vraiment à peu près l'application, comment elle fonctionne. Mais vraiment, ce qui est vraiment le plus pertinent, c'est vraiment le top 90. Le top 90, ça permet vraiment de comprendre les pics de l'application. Je sais pas si... Moi, j'ai écouté en fin de semaine... En fin de semaine, j'ai écouté Jamie Drou, qui en fait un documentaire sur l'hydroélectricité au Québec. Puis concrètement, on fait énormément d'électricité au Québec, puis on en perd énormément, dans le sens qu'on n'est pas capable de les utiliser. Pourquoi on fait toute cette électricité-là actuellement? C'est parce qu'à moins 40 l'hiver, il y a des pics. Puis ces pics-là, il faut pouvoir répondre. On ne peut pas dire « Hey, toi, cher Québécois, tu ne peux pas avoir d'électricité aujourd'hui. » Mais c'est le même principe. Avec le top 90, ça nous permet de dire « OK, dans les cas les plus lents de l'application, on répond dans ce temps-là. » Donc, avec ces trois valeurs-là, on est capable de faire des trucs quand même assez intéressants. L'autre, encore, c'est assez évident qu'on en fait, mais c'est toujours intéressant de se le rappeler, là, mais l'utilisation mémoire. Est-ce que ton garbage collector est toujours en train de runner? Est-ce que la majorité de ta machine est juste en train d'essayer de trouver de la mémoire? Bien, c'est là qu'on peut se poser des questions avec ce type de métrique-là, puis on est capable de dire, OK, cette machine-là, c'est peut-être le temps de l'upgrader, c'est elle est pas qualifiée par rapport à ce qu'on est en train de faire. C'est concrètement, avant, on ne le savait pas, là. On met du machine learning, boum, c'est fini. Puis le dernier, que tout le monde
probablement réputé d'huile, c'est le temps CPU. Je parle de pas le temps, l'utilisation CPU. Ça, ce qui est pertinent, c'est quand on a plusieurs machines en parallèle, bien, on est capable de voir si, premièrement, le garbage collector est en train de suffoquer parce qu'il n'y a pas assez de CPU pour pouvoir s'exécuter. Mais aussi, on peut se poser la question, qu'est-ce qui arrive s'il y a une machine qui explose? Disons, il y a un deadlock. Il n'y a personne qui fait de deadlock ici, mais parfois ça arrive. S'il y a une machine qui explose, est-ce qu'on est capable, avec les autres machines, de soutenir le load de l'application? Puis, dans les cas extrêmes, ben, peut-être que non, puis on tombe dans une situation de cascading failure. On ne veut pas ça, en tout cas. Je pense que mes clients ne veulent pas ça. Fait que ce type de métrique-là, ça permet vraiment d'avoir une espèce d'idée de qu'est-ce qui se passe en général avec n'importe quel microservice. Donc, l'autre chose qui est vraiment intéressant, d'autres trucs intéressants à regarder, qu'on pousse un peu plus la réflexion, puis encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tellement rendu évident chez Coveo, mais on le répète parce qu'on ne l'apprend pas à l'école, c'est disons regarder les autres nines, the other nines, là, les fameux SLA de 99,999%, là, ceux qui ne savent pas c'est quoi un SLA, c'est un contrat qu'on a avec nos clients pour dire que notre application va pouvoir répondre 99,999% du temps dans une année. Donc, quand on regarde ça, on met des métriques pour savoir le uptime de notre application. On a rendu les meilleurs, il est toujours up, ça va super bien. Par contre, on ne s'est pas posé la question, nos clients sont-ils en train de poker un firewall qui est fermé? Ou, tu sais, faut vraiment pouvoir se positionner en tant que client quand on fait ce type de métriques-là. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des métriques qui disent que nos services sont up tout le temps quand nos clients ne sont même pas capables d'accéder aux machines. Donc, essayer de penser à se mettre dans la position d'un client pour pouvoir faire ce type de métriques-là. Autre chose qui est intéressant, ça c'est une autre réflexion, c'est par rapport aux métriques qui sont intrinsèques à l'organisation. Chez Coveo, nous, on utilise beaucoup les Query Per Seconds, qui est en fait la métrique qui permet de savoir si ton service est utilisé, si combien on va devoir biller notre client. Chez Coveo, les Query Per Seconds, c'est vraiment important. Dans d'autres compagnies, ça pourrait être le nombre de fois que la machine plie du métal. Là, vérifier, avoir des métriques par rapport à ce qui est important pour la business, c'est une des choses qu'on a faites, qui est vraiment pertinent. Puis qu'avant qu'on aille ça allait pas si bien. Puis là, les invariants. Avant de parler d'observation extérieure, je veux parler d'une petite histoire de programmation. De programmation slash programmeur. Je sais pas si vous êtes arrivé là, mené dans votre vie. Vous dites, oh, OK, cool, je suis capable de coder quelque chose, puis ça compile. Là, on est vraiment fiers, on est vraiment contents. Puis là, on découvre après ça les unit tests. Puis là, on fait, oh, mais les unit tests run sur mon application, tout va bien, je suis on top of the world. Puis là, après ça, on le déploie. Puis là, ça va super bien, on est dans un projet, il y a 5-6 personnes qui l'utilisent. Good. On arrive en entreprise. Puis là, on voit, c'est un peu naïf. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Quand, disons, on met notre code en production, pourquoi il y a une poop emoji dans ma string? J'ai aucune idée, je ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est une des choses importantes, c'est pas nécessairement de bien faire des tests unitaires, de vraiment bien coder. Une des choses importantes, le vrai test ultime, c'est vraiment d'essayer de le mettre en production. Donc, le mettre en production, c'est là qu'on voit tous les use cases. Un des use cases intéressants qu'on a eu avec le projet de Reveal dans le temps, qui est rendu ML Backend, c'était qu'on essaie de surveiller un système complexe. Un système complexe, là, c'est un peu comme le corps humain. Là. Quand on va chez le docteur, quand on a un problème, là, on ne va pas demander au docteur « Peux-tu vérifier chacune de mes cellules pour voir si ça va bien? Peux-tu regarder chacun de mes atomes pour vérifier quelle maladie que j'ai? » Non. Ce que le médecin fait,
c'est qu'ils vérifient. T'sais, est-ce que ça tousse? Est-ce que ça crache? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça fait de la température? Donc, en gros, il regarde, il fait des observations extérieures, puis il s'attend que le corps humain soit à ce type de température-là, que ça pique pas. Donc, un corps humain normal a des choses insignifiantes, mais qui sont de base. C'est qu'on s'attend à faire ça systématiquement. Donc, une des choses qu'on a réalisées en faisant les applications, c'est que parfois, surveiller les invariants d'une application, ça aide énormément à trouver les problèmes et essayer de les définir pour, évidemment, les résoudre après. Donc, l'exemple que j'ai, c'est qu'on s'attendait à avoir trois fichiers écrits dans trois dossiers différents. That's it. C'était des fichiers qui permettaient le bon fonctionnement du système. Puis là, à un moment donné, ça commençait à avoir des problèmes. On avait des problèmes à gauche, à droite. Évidemment, on ne savait pas qu'il y avait des problèmes, pourquoi il y avait ces problèmes-là. Fait que là, on s'est mis à vérifier ce type d'informations-là. Là, on vérifie, ah, crime! On peut mettre une métrique sur le nombre de fichiers qu'il y a sur disque ou le nombre de fichiers qui a été généré par ça. Puis là, on a réalisé qu'il y en avait 14. Tu sais, ça a l'air insignifiant, mais tout ça pour dire que vérifier les choses qui devraient être des vérités absolues dans l'application, les observations aussi extérieures de l'application, tu sais, comment est-ce qu'on peut observer un programme, un service, tu sais, comment on pourrait vérifier les entrants et les extrants sans être dans le service, puis mettre des métriques là-dessus, ça permet vraiment de, comme le médecin, d'essayer de comprendre c'est quoi qui ne va pas bien, puis d'agir en conséquence. Donc, on est rendu là. On a un microservice qui part d'un hackathon. On a un dashboard avec plein de couleurs. On est vraiment heureux. Puis là, on est rendu là. Puis là, on se demande comment ça va réagir dans le futur. On est capable de répondre à qu'est-ce qui se passe en ce moment. Good! Oh, on est content. Je ne sais pas si vous remarquez, je viens de rajouter notre petite métrique en haut, là, maintenant qu'on a fait nos métriques. Fait. On a notre produit, on est capable, puis là on réalise chaque semaine est la semaine la plus occupée de l'année, en fait, de tous les temps de l'application. On voit qu'il y a une constante croissance à chaque semaine, puis que ça arrive souvent en vague. En gros, c'est assez simple. Nos clients existants voient qu'il y a de la valeur dans ce qu'on fait, fait qu'ils l'utilisent plus. Et à chaque fois qu'on signe des nouveaux clients, de plus en plus gros, il y a vraiment des vagues, tu sais, des pics dans ces moments-là. Et aussi à travers le temps. T'sais, un samedi matin, il y a rarement beaucoup d'utilisation comparativement, disons, à lundi matin. Donc, il y a ça. Puis, on remarque aussi avec ces métriques-là qu'on double à chaque mois. On double à chaque mois. OK. C'est intéressant. Fait que là, on se pose la question, tu sais, qu'est-ce qu'on fait si on voit que nos métriques ont des faiblesses dans le système? On se pose la question. Là, concrètement, là, quand il y a des métriques, quand vous voyez que ça va mal, comment vous faites pour réagir? Bien, c'est simple, on va faire un fixe, puis on va faire un nouveau déploiement. Je pense que tout le monde ici a déjà fait ça, un nouveau déploiement. Mais crime, on est dans le contexte entreprise. Un nouveau déploiement, on commence dans les microservices, là. On déploie aux 2 mois, OK, les soirs et fins de semaine, OK. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de les déploiements les soirs et fins de semaine. La première fois, c'est vraiment cool. C'est une espèce de party à gang. Il y a quelques héros de la compagnie qui s'en vont, qui s'enferment le soir, un samedi, là. Puis là, ils font « Oh yes, on a réussi à mettre en production le travail des 50 autres personnes. » C'est très gratifiant. Mais la semaine d'après, puis l'autre d'après, puis l'autre d'après, on fait ça, c'est vraiment pas le fun. Je vous le garantis, c'est vraiment le fun au début, c'est vraiment pas le fun après. Donc on fait ça actuellement et on a du downtime pour nos clients. Donc, chaque fois qu'on fait une mise en production, on a du downtime pour les clients. Je ne sais pas si vous voyez un peu, là. On double le trafic à chaque semaine, à chaque mois, à chaque 2 mois. Et on déploie à chaque 2 mois. Puis on ne sait pas si les fixes qu'on a faites
ont bien été. Dans le sens que si tu penses que le fixe va vraiment régler le problème, dans 2 mois, le trafic va être 2 fois pire. Puis dans 2 mois, tu vas pouvoir vérifier si ton fixe a bien été. Puis si ça n'a pas bien été, finalement, hors crime, ça n'aide pas du tout ce qu'on a fait. Là, le prochain déploiement est dans 2 autres mois, avec 2 fois plus de trafic. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, on s'approche vraiment du ravin. Là. On est dans une situation vraiment inconfortable. T'sais, à chaque fois, on est super content, ça va super vite, il y a beaucoup de croissance, mais on a la difficulté à avoir du feedback. Donc, concrètement, ce qu'on s'est dit dans tous les microservices, c'est qu'il faut essayer de raccourcir la boucle de rétroaction. C'est pas super sorcier, encore une fois. Comment on fait pour réduire la boucle de rétroaction? Bien, pour les développeurs, c'est assez simple, c'est cool. Là, on essaie d'avoir un cycle de développement plus court. Donc, vraiment, on essaie de voir comment est-ce qu'on est capable de, disons, faire les tests, rouler les tests plus rapidement, comment on est capable de s'assurer de mieux planifier le travail, qu'il soit plus rapide, de synchroniser les équipes, de faire plein d'affaires pour essayer que le code en soi prenne moins de temps. C'est bien. Une des règles super importantes, puis je suis convaincu que vous avez déjà entendu parler de ça, c'est master doit toujours être fonctionnel. Il faut qu'on soit capable de builder le master parce que concrètement, si tu as besoin de faire un déploiement demain puis que ton master est down, bien, en fixant ton master, il y a peut-être 3 autres problèmes derrière ça là, à cause de tous les changements qu'il a fait apporter. Ça, c'est primordial. Là, quand master est down, quand master ne build plus sur Jenkins ou Travis ou compagnie, là, l'équipe arrête et s'occupe de ça. Quand on a cette mentalité-là, je vous dis, master reste pas mal plus haut, pas mal plus longtemps, puis ça devient des anecdotes que ça arrête de fonctionner. Donc, test plus rapide, je l'ai mentionné, dans ta boucle de rétroaction, tu as la compilation, les tests, le QA. Donc, quand tu es capable de raccourcir la compilation puis le test, tu es capable d'aller plus rapide. Tu sais, il y a des entreprises que ça prend 24 heures à builder. C'est pas quelque chose de raisonnable. Donc, puis après ça, on essaie de déployer. Donc, quand on fait du déploiement dans un contexte de cloud, bien, il faut essayer de faire des opérations manuelles, tu sais, faire ça, faire ci, faire. Donc, on essaie d'automatiser ces actions-là parce qu'ils prennent du temps à chaque fois. Puis là, ça, c'est le côté le fun, là, pour les clients. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on dit ça à nos clients la première fois, bien, wow! Il n'y a pas un client qui était genre, oh, quelle bonne idée de déployer plus fréquemment, là. Jamais. Fait qu'en gros, les clients ne veulent pas ça parce que pour eux, ils voient ça qu'à chaque fois qu'il y a une mise en production, à chaque fois qu'il y a un déploiement, il y a du downtime. Donc, à chaque fois qu'il y a du downtime, moi, mon application ne marche plus, puis c'est vraiment pas le fun. Mais nous, en tant que compagnie, en tant que COVID, on a besoin de scaler ça plus vite, là. Je rappelle, ça va vite, déploiement 2 mois. Donc, super important qu'on fasse ça. Fait qu'en gros, en ce moment, on essaie de penser à comment on fait pour empêcher l'instabilité qui est introduite à travers le changement. Donc, plus on essaie de ne pas changer l'application, plus on essaie que ça ne brise pas souvent, plus on rallonge les délais entre les releases parce qu'on ne veut pas que ça brise souvent. Puis plus on fait de gros changements par release, puis plus ça brise, puis je ne sais pas si vous voyez, on tombe dans une loupe sans fin de création, de problèmes. Fait qu'en gros, la réflexion qu'on a eue à ce moment-là, c'est probablement qu'on optimise pas pour la bonne chose. Fait qu'on typiquement, les entreprises essaient d'optimiser pour le mean time to failure, donc le temps entre 2 problèmes, on essaie de le rendre le plus long possible. Si on veut le moins de problèmes possible, tandis que ce qu'on s'est mis à penser, c'est comment on fait pour essayer de raccourcir les pannes. Donc, si les pannes s'est rendu des secondes, les clients ne vont pas avoir ce problème. Donc, concrètement, disons qu'on essaie de comparer les deux, quand on essaie de les optimiser, bien, quand on essaie d'optimiser le mean time to failure, ce qu'on dit indirectement, c'est les pannes sont évitables. Les humains ne font pas d'erreurs. On est capable de trouver tous les problèmes dans les QA,
avec des processus avec le QA auparavant, on est capable de maximiser le temps, puis ce qu'on veut, c'est minimiser les risques sur les moments critiques. Disons, on met une base de données down, on va essayer de minimiser ça le plus rapidement possible pour l'heure. Tandis que le mean time to recovery, c'est on accepte le fait qu'on va faire des erreurs, qu'on va avoir des impacts éventuellement sur nos clients. Puis je vous le dis, là, chacune des applications que vous allez faire va avoir des impacts sur des clients. À un moment donné, tout le monde a stoppé une DB en production. Là. Tout le monde a fait du code qui a fait genre un stack overflow de mémoire. Là. Ça existe dans chacune des compagnies, sauf celles peut-être qui ont duré une journée. Là, mais toutes les compagnies ont ça. Donc, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on essaie d'optimiser, c'est de minimiser les temps des pannes. Donc, quand c'est down, on essaie de s'assurer que ça soit down vraiment pas longtemps, puis on essaie de minimiser l'impact des pannes. S'il y a un service qui tombe et que, comme il y avait de la redondance finalement, le client, il s'en fout là, qu'il y a eu ce problème-là. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, concrètement, pour nos clients, si on se dit que c'est ça qu'on essaie d'optimiser, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'automatiser les déploiements. Donc, concrètement, on est capable de répéter les déploiements dans plusieurs environnements. Donc, on teste, OK, quand je pousse mon code, c'est capable d'aller spawner des machines avec toutes les technologies que vous voulez, puis agir en conséquence, dans le sens que quand on est capable d'automatiser ces déploiements-là, on est capable de dire « mort la tradition orale ». Donc, si on n'a plus besoin d'expliquer à l'équipe de Ops ou à la personne qui va mettre en production comment faire la chose, il y a beaucoup moins d'erreurs potentielles, puis c'est beaucoup plus rapide. Donc, on essaie de diminuer l'impact de cette façon-là. Puis, on essaie de cacher des fonctionnalités derrière les feature flags. Je ne sais pas si… J'ai oublié de faire mes questions initialement, là. Pour le fun, c'est qui connaît Coveo ici? OK, good, parce que sinon, ça va être faire quand même. Donc, feature flag, Coveo. Donc, c'est quoi une feature flag en soi? C'est ça. Donc, c'est du code que s'il y a un problème, on peut le turner on ou off. Concrètement, ce que c'est dans quand on regarde du code, c'est if tu as un booléen, si le booléen est à true, va dans le nouveau code. Si le booléen est à false, va dans l'ancien code. C'est complètement stupide, là. C'est un concept super simple. Il y a plusieurs outils qui permettent d'aider à faire ça. Donc, concrètement, je vous conseille aussi que ça ne soit pas quelque chose qui fait partie du code ou partie d'une configuration. Dans le sens qu'il faut que ça soit toggleable. Il faut que ça soit quelque chose qui soit découplé du fait de déployer en production. Parce que sinon, on revient au même principe. À chaque fois qu'on veut enabler une nouvelle feature, on pousse une nouvelle configuration et crime, ça ne fonctionne pas, pour repousser une autre configuration. Puis ça peut prendre du temps. Tandis qu'un toggle, ça peut aller super bien par rapport à ça. Donc, on essaie de raccourcir la boucle de rétraction. On met des feature flags, puis là, on a des canary release. Donc, c'est quoi? Ça ressemble beaucoup aux feature flags en soi, là. C'est, en gros, on essaie de spawner deux services l'un à côté de l'autre, puis une avec la version actuelle, avec tout le trafic de tous les clients, et une avec la nouvelle version qu'on vient de faire. Puis on envoie un pourcentage de requêtes vers le nouveau service. Donc, disons, dans l'exemple, c'est pour la nouvelle version, on commence à 20%, on augmente ça à éventuellement 100%. Il y a aussi le principe. Le principe qu'il y a certains services chez Coveo qu'ils font juste rouler en background. Donc, on duplique tout le trafic sur les deux services. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin, on compare les réponses de chacun de ces services-là. Donc, on est capable, hors de tout doute, de savoir, OK, on n'a pas changé l'interface, on n'a pas changé ce que les clients s'attendent quand ils font ce type de requête-là. Là, vous allez vous dire, là, Ren, c'est magique. Clairement, c'est impossible de faire ça dans une entreprise. Là. Pas si je suis seul. Vous êtes silencieux, quand même. en tant que manager, on n'a pas beaucoup de processus chez Coveo,
Mais il y en a qui sont vraiment, vraiment le fun. Fait qu'auparavant, pour faire une mise en production la fin de semaine, bien, il faut les demander. Quand quelqu'un veut faire une mise en production, il demande à son directeur. En gros, si c'est pas la fin de semaine, bien, trouve un moyen de le faire la semaine. C'est pas grave. Mais quand tu veux le faire la fin de semaine, t'ouvres une requête à ton directeur associé. Là, autrefois, il y avait plein de choses qui se passaient, il y avait des processus incroyables. Et à un moment donné qu'on s'est dit, ah, crime, on va l'améliorer ce processus-là. Fait que, ouvre une requête à ton directeur, le directeur refuse, et puis trouve un moyen de déployer ça la fin de semaine, la semaine. Donc, ça, c'est une recette incroyable. Vous n'avez pas l'air de me croire, mais chez Coveo, c'est comme ça qu'on a réglé ce problème-là. À un moment donné, en tant que directeur, on s'est dit, c'est fini. Nos développeurs nous disent, c'est pas possible. C'est pas vrai, c'est possible. On va le faire. C'est comme ça qu'on le fait. Donc, avec tout ça, on est capable de voir, tu sais, avec les feature flags, avec les canary release, on est capable de voir un peu les métriques de l'application, mais aussi essayer de déterminer un peu ce qu'on peut faire. Tu sais, disons, pour la version 1, après, bon, ouais, on est dans le rouge, on va faire un fixe. En version 2, on est dans le rouge, on va faire un fixe. Puis, version 3, on pourrait travailler sur autre chose, on pourrait travailler sur des nouvelles fonctionnalités ou faire autre chose pendant plus longtemps. Puis, on peut attendre juste à la V4. Ou on peut pré-optimiser pour la version 6. Donc, vraiment, on est capable d'avoir plus, un meilleur temps de réaction et prendre des meilleures décisions en fonction de ça. Fait que là, la question, c'est, crème, c'est vraiment le fun, t'es capable de mettre en production des features très rapidement quand ton cycle de déploiement diminue. Bien, qu'est-ce que tu fais si tu veux travailler, je sais pas moi, 2 mois sur une fonctionnalité? T'sais, concrètement, c'est impossible d'en faire plus long que 2 mois. Ce qu'on a fait, c'est vraiment pas ce qu'on a fait, ça. Il y a plusieurs options qui sont devant les gens quand ils ont ce type de problème. Bien, il y a la fameuse réécriture. Okay? Hey, on a 2 mois, okay, au lieu de réutiliser le même système, on va tout le réécrire. C'est pas une option chez Coveo. C'est prouvé que c'est quelque chose qui est très time consuming. Puis, ce qui est comique, c'est que c'est le réflexe initial de tous les nouveaux développeurs dans du nouveau code. Hey, c'est vraiment de la merde, il faut le réécrire. Okay. Moi, personnellement, j'ai vécu et j'ai vu des gens agir de cette façon-là souvent, jusqu'à temps qu'on explique que non, il y a beaucoup de problèmes à résoudre, c'est pour ça que c'est compliqué. Des long-lived branches, en gros, il y a des branches, on pourrait faire une espèce de longue branche, une longue branche là, qu'on développe, et après ça, on merge. Le problème qu'on a, c'est évidemment, on merge. Systématiquement, quand ce type de problème-là arrive, là, ça peut prendre une journée juste merger les 2 branches. Là. Puis, tu sais, on ne sait pas tous les impacts que ce merge-là pourrait avoir. Là. Typiquement, ça ne va pas bien. Ça explose. Encore une fois, il y a très longtemps chez Coveo, dans mes débuts, ça arrivait, puis systématiquement, ça pétait. Puis même Windows, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, les versions, disons la version 7, puis la version 7.1, toutes les entreprises attendaient la 7.1 parce qu'ils savaient que 7, ça allait tout péter. Là. Même principe. Donc, ça, c'est pas tant une bonne option. Fait que ce qu'on fait en soi aujourd'hui, c'est qu'on essaie de morceler et cacher des fonctionnalités. Donc, avec les feature flags, avec le fait qu'on est capable de phaser des releases de façon progressive, on se met à penser à comment est-ce qu'on peut faire ça. Le gros avantage indirect, c'est que chaque fonctionnalité, chaque partie de la fonctionnalité va être découplée du reste. T'sais, typiquement, il faut faire cette feature-là. OK, bon, il faut changer ça. Puis si on fait juste changer ça, ça va tout péter le reste. Là, on pense plutôt à comment est-ce qu'on fait pour faire juste un changement à un endroit à la fois, puis d'agir en conséquence. Fait que concrètement, ce que ça ressemble, c'est, disons, dans la première branche, on change le UI, on met ça derrière une feature flag, on progressive rollout la nouvelle DB, puis après ça, on s'arrange pour connecter le DB, puis le UI, puis après ça, on active la feature flag pour tout le monde. On regarde, OK, ça fonctionne pas. Donc, tu sais, une autre des expériences qu'on a vécues à travers ce projet-là, puis à
travers les projets en général, c'est le déploiement en phase plus des petits changements, bien, ça cause potentiellement un problème, c'est le work in progress. Si constamment, et on dit qu'il faut tout morceler, là, pour avoir 10 000 petites, en fait 10 000 grosses features qui ont été faites à moitié toute la gamme. Fait que ça, c'est vraiment important en tant que développeur là, d'essayer vraiment de focusser et avoir la rigueur pour terminer ce qu'on fait. Parce que sinon, vous allez dans une situation que la moitié du code ne va rien servir à rien parce que c'est tout work in progress. Donc ça, c'est un gotcha par rapport à essayer de faire ça. Il faut vraiment avoir de la rigueur, je le répète, en tant que développeur pour ne pas être dans cette situation-là. Puis, j'aimerais ça vous donner un exemple qu'on a fait concrètement, la migration d'une base de données. C'est assez simple. On a une base de données. En fait, on a un service en haut qui utilise une base de données. Concrètement, au début de l'application Reveal, on avait un temps de réponse sur certaines informations en haut carré. Quand on voit du haut carré, on est tout un peu... ça me fait mal un petit peu, mais avec peu de data, ça fonctionne. Donc, on a laissé aller, puis éventuellement, on a dû faire... On doit faire ce changement-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on spawn notre nouvelle base de données avec notre nouveau code qui nous permet d'aller lire et écrire dans cette base de données-là. Donc, ce qu'on fait, c'est initialement, on active juste l'écriture. Donc là, c'est cool, on a deux bases de données qui se remplissent en même temps. Tu sais, ça coûte un peu plus cher, mais c'est pas la fin du monde. Puis, on active le read. Et là, ça, c'est intéressant. C'est un peu ce que je parlais tout à l'heure. On active le read, mais on continue d'utiliser le data de l'ancienne base de données pour servir nos clients. Donc, à ce moment-là, ici, là, dans le microservice, on est capable de comparer les deux réponses. On est capable de dire, OK, on s'attendait, avec la nouvelle écriture et tout, on voit que le résultat est ça, et l'ancien résultat, c'est ça. Fait qu'on est capable de tester, on peut se mettre une petite métrique ou une petite ligne de log qui dit, OK, il y a une différence, il faut aller investiguer ça. Donc, il n'y a aucun impact sur le client, puis on est en train de faire une migration de base de données. Donc, on voit que ça fonctionne, good, on continue, on active une autre partie de l'application, on envoie donc les données maintenant au client à partir de la nouvelle base de données. Il n'y a aucune raison de garder la base de données, fait qu'on peut la crapper. On peut la crapper, c'est des beaux termes, ça marche. Autre chose qui est intéressante par rapport à ce parcours-là, une des choses qu'on a commencé à constater, c'est qu'il y a beaucoup de décisions qui viennent de beaucoup de réflexions. Puis ce qu'on fait typiquement, c'est OK, Trim, on va faire un design doc, là, on va faire un doc en Google Drive, là, puis là, on va mettre toute l'information nécessaire, là, les 20 personnes qui vont collaborer dans ce document-là. Puis, au final, ce document-là va être utile quelques jours, mais c'est à peu près comme le tweet chat, là, en sens là, que ça va, c'est juste l'écriture. Il n'y a personne qui lit ça après. Là. Et... Je pensais que ça allait réagir plus, là, Twitch. Ah, c'est-tu rendu Mixer, là, avec Ninja? Non? Twitch chat? Moi, c'est Twitch, en tout cas. En tout cas, on verra. Fait que, quand on est dans une situation du genre qu'il y a énormément de décisions qui sont prises extrêmement complexes, ce qu'on a commencé à faire, c'est ADR. Probablement que j'aurais pas dû montrer à ce slide, là, parce que tout le monde l'a lu. Mais ADR, c'est Lightweight Architecture Decision Record. C'est concrètement, c'est un fichier Markdown que tu mets dans ton projet, que tu essaies de rendre ça très, très court, une vingtaine de lignes, qui essaie vraiment d'expliquer pourquoi on a pris ce type de décision-là? Dans quel contexte? C'est applicable jusqu'à quand? Puis, un petit overview. Ce qui est cool, c'est que ce fichier-là, tu peux le mettre dans ta pull request. Tes partenaires, les gens qui vont te reviewer, vont pouvoir comprendre pourquoi tu prends ce type de décision-là. C'est Git Blame friendly. Hey, pourquoi on a fait ce changement-là, à cet endroit-là? On va voir, OK, Git Blame, oh, sur le commit, il y a un ADR, on est capable de mieux comprendre. Donc, ça, c'est un petit truc, quand on commence à grossir et qu'on commence à avoir plusieurs décisions de ce type, essayer de les résumer puis de mettre ça très simple, puis d'en avoir plusieurs petits à place d'avoir une espèce de gros document que personne ne vole. Donc,
j'ai bientôt fini, là, mais ça, c'est un peu, c'est plus rendu aujourd'hui. Comment on fait pour planifier le travail? Tu sais, notre service va bien. Le service va bien. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, tu sais, on va faire plein de nouvelles features, mais peut-être que demain, ça va péter. On ne sait pas. Avec le trafic, ça se peut que notre limite soit demain. Fait qu'en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver un best before day. Donc, on fait des tests de performance. On essaie de DDoS-er notre propre plateforme, notre propre service. Puis là, on dit, crime, OK, on est capable d'aller jusqu'à 300 QPS. C'est parfait. On est capable d'aller là. Ouais, on sait qu'on augmente de, je sais pas moi, 10 QPS chaque jour. Fait qu'on a, disons, 6 mois pour le faire. Fait que dans le 6 mois, pour régler le problème de 300 QPS, tu as 6 mois, fait que tu prends les 2 premiers mois pour essayer de régler le problème, 2 mois pour essayer de faire des nouvelles fonctionnalités pour les clients, pour quelque chose de cool, puis les 2 derniers mois pour écrire, j'avais pas bien fixé le problème, fait que je vais encore le fixer. Fait que tu sais, ça te donne du temps pour planifier, puis essayer de pas juste faire de l'optimisation concrètement. Fait que c'est vraiment mettre une date de, à partir de ce moment-là, il va falloir qu'on agisse. On trouve cette date-là, on investit de l'argent dans des machines pour trouver cette date-là. L'autre affaire qui est intéressante sur comment planifier le travail, c'est ce que Andy appelle le Metric Driven Development. C'est un nom, beau petit nom, là. Pour vous l'expliquer, je vais vous expliquer ce que Zynga fait. Zynga, j'assume que tout le monde connaît ça. Good. Zynga, à un moment donné, ils ont plein d'idées. Ils s'assoient tous dans un meeting room, puis ils se disent, qu'est-ce que je devrais faire dans l'application? Là, ils sortent genre 10 idées. Puis là, bien, évidemment, ils ne vont pas faire les 10 idées. Comment ils vont faire pour déterminer lesquelles de ces 10 idées-là ont plus de sens? Bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont placer des boutons dans l'application qui servent à une seule chose, c'est envoyer une métrique et dire, ah, cette fonctionnalité-là n'est pas encore disponible. Donc, après ça, tu es capable de voir quelques semaines, quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, tu es capable de dire, OK, si je fais ce changement-là, je vais être en mesure d'avoir X clients de plus et tout. Nous, dans notre quotidien, c'est plutôt, OK, si je fais cette modification-là, est-ce que je suis en train de sauver des millisecondes ou je suis en train de sauver des minutes dans mon mois ou des mois dans ce contexte-là? Parce qu'il faut comprendre que même si on triple le nombre de personnes qui travaillent dans la compagnie, bien, c'est pas ça qui va régler les problèmes. C'est vraiment essayer de comprendre sur quoi on travaille. Donc, chez KVO, on fait la même chose. On s'assoit, hey, on a ces 5 bonnes idées-là. On essaie de mettre des métriques intelligentes, genre, OK, combien de fois est-ce que ça va dans ce path-là? À la fin, on enlève la métrique et on a maintenant du data pour dire, OK, il y a beaucoup de monde qui utilise ce path-là, on va essayer de l'optimiser. Donc, la croissance, ça ne se fait pas en ajoutant plus de monde, mais bien en priorisant les tâches. C'est ma dernière slide. Donc, investir sur le vieux et ou attendre le neuf, on parle encore de planification. Concrètement, il faut faire attention avec le hype. À chaque fois qu'on voit un nouveau framework, on a tendance à aller vers ça parce que c'est nouveau. C'est nouveau, puis c'est sûr que c'est ça qui va régler tous nos problèmes. Oui, parfois c'est ça, puis il faut avoir foi en nos décisions. Vraiment, il faut comprendre que si on investit, en fait, je vais donner l'exemple, ça va être plus simple après. Chez KVO, dans le service de machine learning, on avait une nouvelle fonctionnalité des autres équipes qui arrivait dans 2 mois. C'était une fonctionnalité qui allait révolutionner la façon qu'on fait nos déploiements. Puis, ça réglait plein de problèmes. Puis concrètement, ce 2 mois-là, à chaque 2 mois, on posait la question, ça prend combien de temps? Ça va être prêt dans combien de temps? Puis on disait 2 mois. Concrètement, ça a pris 2 ans chez KVO faire cette fonctionnalité-là. Fait que concrètement, il faut faire attention d'investir dans le vieux, ça a du sens. Être heureux pendant 2 ans au coût de 2 semaines de travail sur de la vieille technologie, ça vaut la peine. Puis, de toute façon, si tu investis dans la vieille technologie, la nouvelle technologie, ça devient réellement le leader. Éventuellement, vous allez transitionner vers ça. Donc, ma conclusion, quelque chose du genre pertinent.
On a parlé un peu de l'hérésie de l'histoire d'un de nos microservices, mais concrètement, ça s'applique à n'importe quel microservice chez Coveo, dont mes équipes. Alors, on s'est adapté aux problèmes qu'on a eu en production à gauche et à droite. Avec énormément de croissance, on s'est doté de métriques, d'outils pour mieux réagir dans des cas problématiques, réduire les temps des pannes, des feature flags, des canary released. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. C'était pas plein de technologie. Mais... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Je pense que c'est à 20 que tout le monde doit partir. Ouais, 5. Ben, venez me voir à la place. Je préfère que les autres partent s'ils si veulent partir. Ouais.